Du jardin éphémère. Nos amis roumains ont terminé leur séjour à Seno par l'inauguration du jardin éphémère. Ce jeudi 1er juin, le conseil municipal de la commune déléguée de Seno présentait ce tout nouveau espace de verdure conviviale, place de l'hôtel de ville. En 2016, le CAUE a conseillé à la ville de Seno de fleurir la place afin d'obtenir la troisième fleur. Aujourd'hui, cette troisième fleur est acquise et le projet de jardin éphémère a été maintenu. Le chœur d'hommes du Sénoz a chanté pour l'occasion l'hymne roumain, puis l'hymne savoisien. Le jardin éphémère fait partie de projets nationaux, voire européens. Ça se fait de plus en plus maintenant pour animer justement les cœurs de ville, pour apporter du végétal en ville. Voilà, au niveau des matériaux, ce qui est très important de dire, c'est que tout est fait à partir de matériaux recyclés. Rien n'a coûté à la commune, à part la mise en place par les agents, qui représentent 300 heures de travail et qui représentent 10 agents. Toute la composition, tous les matériaux, que ce soit donc le bois, le mobilier, a été utilisé avec du bois recyclé. Les barrières pour rendre un petit peu plus intime le jardin a été récupérée sur une ancienne aire de jeu. Alors le fleurissement, ça comprend à peu près 400 fleurs, donc sur tout le fleurissement de la place. Là, c'est les services techniques donc, qui m'ont installé. Cet espace est mis à votre disposition, alors n'hésitez pas à venir avec votre bouquin ou avec vos amis. Il y a même un endroit spécial selfie, très fleuri, pour faire vos photos. Cette place va être animée tout l'été, avec la Zumba et les petits bals tous les vendredis, la fête de la musique le mercredi 21 juin, le cinéma en plein air et des animations familiales au mois de juillet. L'été s'annonce verdoyant et festif.